Salut les amis, c'est Caïs et Aurélie et aujourd'hui on se retrouve pour une big vidéo. Une vidéo de folie les frérots. Aujourd'hui Aurélie et moi-même faisons un bond dans le temps, mais un truc de dingue. Aurélie, pour ta part, combien d'années? Quinzaine d'années. Quinzaine d'années, sachant que t'as 20 ans. T'as 20 ans. Comme moi. Ouais, c'est ça. Moi je fais un bond de plus de... Je crois 20 ans. Vingtaine d'années. Minimum, je crois. Minimum. Aujourd'hui, les amis, grâce à l'entreprise Hall of Time, une entreprise française. Tu voulais dire quoi sur mon accent là? Ouais, justement, ça m'a fait rire. En tout cas, voilà. Grâce à eux, les amis, on va pouvoir faire un très gros bond dans le temps. Grâce à leur console rétro gaming qui s'appelle Aurélie. Time Machine. La Time Machine de. Trunks. Voilà. Du coup, cette console rétro gaming qui s'appelle Time Machine, les frérots regroupent plus de 45 consoles dans cette petite boîte qui peut être transportée absolument de partout, n'est-ce pas Aurélie? Bah, j'ai hâte de partir en vacances, quand on pourra, pour l'emmener avec nous. Et franchement, elle est belle, hein. Elle est belle. Le design est très bon. J'aime bien les couleurs, ça fait rétro. Donc t'as vu ou pas au niveau du logo de la Time Machine? Oui. En gros, il y a les consoles. Il y a les petites consoles en fait. Je sais pas si on voit très bien. Ouais. Voilà. Et du coup, dedans, vous avez plus de 10 000 jeux pour pouvoir vous amuser, les frérots, que ça soit en solo ou en duo. Et ouais, on a deux manettes. Du coup, avec Aurélie on the Fly, t'aurais pu montrer la tienne. Hein. Voilà, exactement. Une, deux. C'est vraiment une pure dinguerie parce que vous allez voir, il y a tellement plein de jeux, c'est ergonomique, c'est stylé. On a eu l'occasion de la tester et on va vous montrer ça du coup aujourd'hui dans cette vidéo. Sincèrement, c'est un truc de malade. Je vous mets dans l'espace description le lien du site, le lien où du coup vous pouvez vous procurer cette console. La console vaut environ 199€. Avec le code promo YKS10, vous avez 10%. Profitez-en les amis parce qu'il reste que quelques petites consoles encore disponibles sur le site. Encore une fois, dans l'espace description, allez voir. Il y a des personnes qui vont se poser des questions sur la console. Je mettrai également dans l'espace description la FAQ parce qu'il a mis une belle FAQ. Pour ceux qui se posent la question, ce qui est vendu au niveau de l'entreprise Hall of Time, c'est bien évidemment le matériel, l'optimisation. Et donc du coup, vraiment au niveau de cette console, ce n'est pas les ROM qui sont monétisés. Les ROM sont mis à disposition à titre gratuit. Donc c'est pour ça qu'en gros, dans les conditions générales de vente, il est bien indiqué que c'est la console, l'optimisation, le matériel, etc. qui est fourni, qui est payant. Tu peux nous expliquer pourquoi tu as mis ces lunettes? Parce que ça fait rétro, ça fait funk. Bref, et dedans du coup, vous avez câble HDMI, vous avez câble d'alimentation, vous avez la console bien évidemment, vous avez une manette et vous pouvez vous procurer une deuxième manette parce qu'il y a des jeux où vous pouvez jouer à 2 et très prochainement des jeux où vous pouvez jouer à 4. Pour le moment, il n'y a pas le matériel, mais c'est en cours. Donc vous inquiétez pas les frères, vous allez surkiffer et nous on va brancher la manette et on va regarder le manuel d'utilisation. On va brancher la console. Ah oui, la console. Et après les manettes. Du coup, voici le site officiel de la console rétro gaming Time Machine, conçue par l'entreprise française Hall of Time. Les liens seront dans la description si vous voulez avoir accès au site internet. Dessus, vous aurez toutes les réponses à vos questions, une FAQ très bien faite avec le listing des jeux disponibles, le manuel d'utilisation. Comme vous pouvez le constater, le site est très 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 ergonomique, très facile d'utilisation. Si vous voulez vous procurer la Time Machine, les amis, ça va se passer dans l'onglet acheter. Ensuite, vous y indiquez le code promo YKS10. Vous appliquez le code promo et tout en bas, vous avez validé la commande et vous avez du coup 10% sur la console. Si vous voulez jouer à deux, vous pouvez prendre une autre manette supplémentaire pour du coup jouer avec vos amis et votre famille. Je tiens à préciser qu'il ne reste plus beaucoup de consoles de disponibles parce que ça s'est écoulé mais vraiment très rapidement. Il y aura un restock pour début février, encore une fois en quantité limitée, où vous pourrez vous procurer la console en précommande. Mon code promo sera toujours effectif et du coup n'hésite pas si tu veux recevoir la console avant tout le monde. Subclub. Du coup ça y est, on est sur l'interface, donc ça ressemble beaucoup à Netflix et du coup je trouve que c'est très clair. Ouais. Parce qu'on connaît bien l'interface Netflix. Ouais. Du coup, on voit en haut qu'on a bien branché les deux manettes. Enfin, branché. Sans fil, hein. Et voilà. Et sur la droite, donc, je laisse Caïs présenter tout ça. Ouais, franchement, au niveau ergonomique, c'est très, 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 très simple.
Et au niveau aussi beauté, franchement, ça donne envie d'aller chercher un petit peu les jeux. Donc là, en gros, t'as le listing de tous les jeux disponibles dans le truc. Enfin, dans la console, pardon. Là, au niveau des favoris, bah, tu pourras mettre tes favoris des jeux, tes jeux favoris, tout, etc. dans cette catégorie, les derniers jeux joués, etc. Donc là, en bas, c'est plus les consoles. Mais attendez, les amis. Là, du coup, comme vous avez dit tout à l'heure, il y aura des jeux où vous pouvez jouer à 4. Là, il y a des jeux où on va pouvoir jouer à 2. Donc, on va faire ça aujourd'hui dans cette vidéo, dans ce bond dans le temps. Et bien évidemment, il y a aussi les catégories des jeux. Genre, bah, là, t'as tous les Zelda là-dedans. T'as tous les Tortues Ninja, les Street Fighter. On ira voir ça tout à l'heure. Les Sonic, les frérots. Moi, j'avais la Mega Drive à l'époque. Sonic, Pokémon. On verra ça tout à l'heure. La base des bases. Et bien évidemment, pour les fans de manga, il y a du One Piece, il y a du Naruto, il y a du Pokémon, mais on vient de voir Pokémon. Il y a du Dragon Ball, il y a du Super Mario, franchement. Franchement, Mario et tout, on va aller voir ça tous ensemble et tout. Franchement, c'est lourd de Harry ouf. Potter. Harry Potter, Final Fantasy, incroyable. Vraiment, il y a un taf de ouf. Derrière, je crois que même dans Dragon Ball, le créateur m'a dit qu'il y avait des jeux qui n'étaient pas disponibles en France, donc des jeux uniquement disponibles au Japon et qu'il a pu du coup les incorporer dedans. Donc ça, faut absolument voir ça ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Mario Kart. Mario, hein. 64, ça, c'est 64, c'est la base. Je sais pas pourquoi j'ai bafoué. Pourquoi tu prends Mario? Bafoué. Je sais pas. Je veux le son. Attends. Oh purée. Voilà, c'est bon, je vais perdre. Moi, c'est bon, allez. Avance avec A. Ouais, mais ça y est, je suis parti trop tard, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'allais perdre. Merde. Ça va trop vite. Bah, c'est 150. Oh, j'ai quand même réussi à doubler alors vas-y. Que je suis parti. Ah, mais ouais. Magnifique. C'est quoi Aurélie pour drifter? Pas comme d'hab, non? Hop là. On m'appelle bon. En même temps. Ça te déconcentre. Bah, on m'appelle en même temps. Aurélie, t'es juste derrière moi. Hein. Je vois pas mes objets. Allez, troisième. Final. Deuxième. Wesh! Je suis deuxième. Comment elle a fait Aurélie? Comment elle a fait Aurélie? Aucune idée. Aurélie, mais vas-y, attends-moi. Alors là, pas du tout. Oh, elle est deuxième. Non, elle va pas gagner. Ouais, balance en avant, t'as raison. J'ai essayé en arrière, j'ai pas réussi. Balance en avant, t'as raison. Je vais me les prendre, je vais rien comprendre. Oh, je me suis pris une banane. Allez, Selem. Oh purée, tout le monde est en train de me doubler, c'est une blague. Oh là là. Voilà l'éclair pour toi, Aurélie. Et let's go pour la seconde place. Ça se fait pas. Let's go. Ça se fait pas. Pardon, désolé. J'étais deuxième. Ça c'était bien. Ça c'est vraiment un des jeux de mon enfance. Bon, c'est pas l'un des plus anciens. Mais Mario Kart 64, c'était vraiment la base des... Base, dites-nous dans l'espace commentaire, vous, votre top 5 des 5 jeux. Mais là, on va vous montrer encore plus ancien que ça. En fait, on peut jouer à deux, tu vois. On va voir un petit peu. En fait, comment te dire? Sur Pokémon Stadium, on peut jouer à deux. Et je crois qu'il y a Pokémon Stadium. Mais j'ai jamais joué. Pokémon Stadium, c'était incroyable. Genre, tu t'affrontes. Genre, en gros, t'affrontes. Il y a plein de mini-jeux et tout, etc. C'est archi stylé. Pokémon Stadium, c'est archi stylé. Mais il y a aussi la version blanche, la version noire. Il y a la version bleue. Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Cristal, émeraude, jaune. Spécial édition, bah, du coup, Pikachu, vraiment archi stylé. Moi, j'avais la Game Boy Advance. Rouge feu, les frères, rouge. Rouge, c'était ma première cartouche. Ça a été ma première cartouche. Et elles sont où? Je sais plus. Oh là là, l'interface, en plus, elle est archi stylée. T'as l'impression de faire un bond dans le temps. Ça, en gros, j'ai eu à... Mes 7 ans. Ouais, mes 8 ans. Bah, ils sont gentils, tes parents. Bah, j'ai arrêté pas de pleurer aussi. Et alors? Je me rappelle, on l'a acheté à Virgin en ville. À Game Boy. J'ai dit, s'il te plaît, maman. T'es capricieux, en fait. Oh, le professeur Chen et tout. Oh là 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 là. C'est ça, en bienvenue dans le monde magique des Pokémon. Ok, let's go. Bon, dans mes souvenirs, il y a une potion ici. Retire objet. Ah!
t'en rappelles? Bah ouais. Ah là, et on se casse. Allez, Selem. Allez, Selem, maman, je m'en vais. Allez, allez. Voilà. Bon, là, je me rappelle, faut venir ici pour provoquer Shane. Hey, toi, le ne pars pas. Ok. Regarde, là, du coup, il y a son petit-fils. Là, je le déteste, j'ai envie de le démarrer. J'en ai marre d'attendre. J'ai envie de lui donner un coup de casquette. Oh là, tu sais très bien quel Pokémon je vais prendre. Tu dis rien. Dis rien à la caméra. Tout le monde sait. Les frères, hashtag dans l'espace commentaire. Hashtag le Pokémon que je vais prendre. Dites-le moi, les frères. Vous le savez. Vous le savez. Je pense, hein. Parce que, en vrai, je sais pas. Je pense que tu vas prendre ça à la mèche. Alors, ai-je raison ou tort? Tu verras. Je te vois pas prendre Bibi. Avant, à l'époque, je faisais Amstram, Gram, piqué, piqué, collégram, pour éborer, ratatam, Amstram. Mais j'avoue, là, en vrai, tu sais pas. Belle baisa. Bon, alors. Mais t'es un gros menteur. Je suis un team Bulbi, moi. Ah, c'est pour ça que t'as ton bonnet. Bulbi. Tu le veux pas? Il est où? Il est là, il nous regarde. Il nous regarde d'un oeil en plus. Bulbi. Vous êtes la seule dans le monde à l'avoir acheté, le jeu. Et il s'appelle, parce que je suis allée faire mes recherches, parce que je me souvenais pas du nom, American Dragon Jack Long. Bim. Vas-y, lance le rugissement. Ça va réduire ses dégâts. Il perd de la force. Non, non, t'inquiète, on s'en fout pas. Regarde. Okay. Regarde. Il me fait rugissement aussi pour que je réduise ma force. Mais moi, je fais encore rugissement pour qu'il réduise sa force. Comme ça, quand il va taper du 3. Et regarde. Moi, je suis un... Voilà, ça échoue, mon pote. Tiens. Donne un coup de tête, Bulbizarre. Regarde, redonne un coup de tête, Bulbizarre. Non. On va galérer à le tuer, là. On perd de la force. Allez, donne un coup de tête, Bulbizarre. Voilà. Non. Je crois qu'on va s'arrêter là. Attends, donne-moi juste ma potion. Miskin, oui. Salamèche. Allez, salam alaikum. Allez, refais rugissement, t'inquiète, on va taper un par un, mais on est bon. Allez. Voilà, c'est bon, on a win. On a win. Bah, tu m'étonnes. Let's go. Donc en tout cas, au niveau de la game Pokémon, vous êtes servis. Là, je vous ai montré l'un des plus anciens, parce que c'est mon jeu de mon enfance. Mais il y a bien évidemment la version Ruby, la version Zaphir, profitez-en. C'est une dinguerie pure et dure. Et Case 10, les frères, n'oubliez pas à mettre sur le site internet de All of Time qui est disponible dans l'espace description et dans le commentaire épinglé. Et Case 10, ça fait plaisir, ça fait pas plaisir. 20%, 10%. 20%, j'ai balancé. 10%. Ouais, bah. Vas-y, c'est à toi. Quel est ton jeu que tu veux nous présenter aujourd'hui? Alors, j'hésite entre ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ouais. American Dragon Jack Long et ouais. Totally Spies. Oh, Totally Spies? La base. Vas-y, moi je suis chaud pour voir Totally Spies. Juste un truc, petite parenthèse, il y a tous les jeux Naruto, les anciens jeux Naruto, incroyables. Vraiment archi stylés. Et vraiment. On regardera ça. Franchement, si ça vous intéresse de ouf, les frérots, on peut faire une fois par semaine un live spécial rétro gaming où on joue vraiment aux anciens jeux, etc. etc. Ça pourrait être vraiment pas mal. Un live nostalgique. Dites dans l'espace commentaire si vous êtes chaud. Là, j'ai appuyé sur Select. Donc là, je peux filtrer par nom. Du coup, je fais... Totally. Avec deux L. Mercredi. Supprimé. Voilà. C'est pas Tortali, hein. Ta. Mais qu'est-ce que tu me... Totally Spies. Mais j'aimais bien. Vas-y, je juge pas. Totally. Voilà, ok. Normalement, ça va le trouver. Ok. Yeah. Ouais, c'est lequel le du premier, coup premier. C'est le premier. Sur ma Game Boy Advance. Tiens. Voilà, petite cinématique Totally Spies. Mais t'es sérieuse là? C'est le générique. T'es sérieuse en fait. Là on voit qu'on a pas eu la même enfance avec Aurélien on the Fly. T'as jamais regardé ça? Genre jamais sur TF1, sur T'es Fou? Non. Allez, les gars, je dois... Non, mais s'il vous plaît, je dois éviter les projecteurs. Donc, vas-y. Sur le papier, ça a l'air facile. Vas-y, évite les projecteurs. Mais il y en a qui bougent, regarde. Attends. C'est trop facile, ça, Aurélie. T'es sérieuse ou quoi? Mais attends, tu vas voir. Après, il y en a deux et tout. C'est trop dur. Attends. Oh, t'es trop forte. T'es trop forte. Attends. T'es trop forte. Ah
blague. Ah, sa tête. Non mais, non mais j'ai à peine touché. En même temps, vous avez vu comment elle fait ses pas là? Elle a des grandes jambes, c'est ça? Ouais. Oh, reste concentré, t'es une légende. Allez. Ouais. Ah mais non, mais... Oh, comment je crie. Non, mais... Oh, non, mais là, j'ai un problème de doigt. Tu veux essayer? Vas-y, je veux bien essayer, vas-y. Vas-y. Non, mais s'il vous plaît. Par contre, j'ai déjà fini le jeu, hein, je vous rassure. Moi, j'ai jamais joué. Hein. Oh yeah! C'est pas mal ça. Non, mais par contre, doucement maintenant. Essaye de gagner. T'as vu ou pas? C'est dur. C'est et dis-toi que là, on voit bien, parce que c'est grand, mais sur un petit écran, avec la Game Boy Advance, oh là là, encore pire. Ouais, je suis allée loin, là. Allez, Aurélie, tu peux y arriver. Oh, purée, il y a les lasers. Oh, il se passe quoi au niveau des lasers? Alors, on va voir ça tout de suite. Hein. Ah, ok. Voilà. Ah oui, c'est une souris, c'est vrai. Vas-y. Vite la batterie. Oui, bah. Tu m'as dit vite. Vas-y, avec ton jeu là. Il nous a rendu fou là. Il nous a rendu archi fou ton jeu. Quatrième jeu à présenter aujourd'hui que je tiens énormément à vous montrer. Et alors, ça me tient énormément à cœur. Je crois que je sais. C'est bien évidemment la catégorie Final Fantasy. Non, alors, Final Fantasy, c'est très spécial parce que vraiment les jeux. Ils m'ont fait pleurer, ils m'ont fait grandir. Et je vais te montrer le jeu qui m'a fait le plus grandir, Aurelai. Bon, après, ce qui est bien, c'est que je peux vous montrer, bah, du coup, là, il y a les noms des Final Fantasy que vous aurez accès. Donc, ceux de la Game Boy Advance, ceux de la Game Boy Color, ceux de la Nintendo DS, donc Dissidia qui est vraiment cool. Mais il y en a un, c'est celui de la PSP, le Crisis Core. Le Crisis Core, il m'a fait pleurer, Aurélie. En gros, Final Fantasy VII, ils ont fait plusieurs jeux. Ils ont même fait un film. Au point où il y avait un engouement de ouf autour de Final Fantasy. Et là, pour le coup, Tom, tu connais Final Fantasy VII. Tu connais la base? Non. Si, tu connais la base. Non. Crisis Core, vraiment incroyable. Ah, j'ai tout fait pour pas la perdre. Et je l'ai perdu. Ah, il est trop beau. Trop beau. Trop beau. Tu vas pas pleurer. Ah, c'est un truc de dingue. Crisis Core. Final Fantasy. Exceptionnel. Seven. C'est vrai que c'était Squaresoft. Ils allaient faire faillite. Et leur dernier jeu, genre en gros, qu'il fallait tout cartonner, c'était Final Fantasy VII. Et ils l'ont sorti à l'international, exceptionnel, sur la PlayStation 1. Est-ce que vous vous souvenez ou pas? Regardez-moi ce beau gosse. Je connaissais Apple. Tu connaissais pas Final Fantasy? Tout le monde connaît Final Fantasy. Je te jure. Il y a des histoires de ouf, ça dénonce plein de choses. Ah ouais, genre. Surtout. Bah en gros, par exemple, le Final Fantasy 7, il dénonce la pollution. Ah ouais? Ouais. Il dénonce la pollution, ce qu'elle va engendrer dans nos corps et tout, etc. Enfin, c'est exceptionnel. Oh, c'est exceptionnel. Et que finalement, bah du coup, c'est la planète qui sauve les êtres humains. De tout ça et tout, même si c'est les êtres humains qui ont fait en sorte que la planète soit malade, enfin c'est un truc de dingue. Mais du coup, c'est jamais les mêmes personnages. Dans chaque Final Fantasy, c'est des personnages différents. Parce que moi, juste je me rappelle, Fantasy dans 7. Le 10, il est blond. Ouais, donc mais c'est pas lui, rien à voir. Regarde-moi ce beau gosse. Ah là là, regardez-moi ce beau gosse, Zack Fair. Yeah man. Regardez-moi ça. Là, il s'appelle comment? Zack. Efron. Bref, en tout cas, regardez la catégorie Final Fantasy, vous allez sur qui faire. Non mais t'es en train de te battre contre des gens qui te tirent dessus. C'est pas très équitable. Thanks. Oh, tu les as éclatés. Oh. Non, c'était lourd de ouf. C'était vraiment lourd de ouf. Dites dans l'espace commentaire les frères si vous voulez qu'on se refasse les Crisis Core. Et bien évidemment, pour clôturer au max cette vidéo, rien de mieux que de montrer la collection Dragon Ball, parce que c'est vraiment Dragon Ball 7 tôt, les frères. C'est ma vie, c'est toute ma vie, j'ai toute ma collection, c'est Dragon Ball.
J'ai joué à pratiquement à tous les jeux, bon, sauf qu'ils étaient trop anciens ou non disponibles en France. Le Final Bout, je l'ai fait, il était incroyable. Franchement, il était vraiment très dur à prendre en main. On peut même se faire un petit fight ensemble vite fait pour Final Bout. Si t'as envie de m'éclater, y a pas de soucis. Il y a le Super Sonic Warrior qui était incroyable, les frères aussi. Celui-là, je l'avais sur la Super Nintendo, il était vraiment cool à mort. Je me rappelle en Tunisie, je me fightais avec tous les Tunisiens. C'était char drôle. Ah mais vous avez de la Super Nintendo là-bas? Mais non, en fait c'est moi, j'ai ramené là-bas. Ah. Et finalement j'ai oublié de la ramener et donc du coup elle est toujours là-bas. Et les Shin Budokai qui sont vraiment magnifiques. On fera le Shin Budokai histoire de vous montrer un petit peu. Mais en gros il y a plein de jeux, notamment des jeux Dragon Ball aussi. Le Advanced Adventure exceptionnel aussi sur la Game Boy Advance qui était vraiment archi cool. Et franchement il y a plein de jeux, faudrait qu'on se les fasse, tu vois. Là c'est les jeux du coup qui n'étaient pas disponibles en France, qui sont en japonais. On pourrait rigoler et ramener pourquoi pas Ponin pour jouer à ce jeu. Il y a un jeu sur Game Boy Color que j'ai fait et que j'ai, mais quand je te dis je l'ai squatté, c'est celui-là, c'est le Super Warriors. Incroyable les frères. En gros celui-là c'est un jeu avec un système de cartes et tout, etc., etc. Et moi j'ai kiffé, je trouvais ça super original. Parce que en fait plus tu le finis et plus il y a d'autres timelines. Et en gros, par exemple, quand tu arrives sur la phase Boo, et bah t'as Trunks du futur qui revient. Alors que normalement, Trunks du futur, il revient pas, tu vois. Et il rencontre le Trunks petit. Et genre, il dit, mais t'es bizarre, toi, en parlant du Trunks du futur et tout. Et c'était cher stylé. Voilà. Ça me rend tellement nostalgique. Tout ce que je vois, franchement, avec tout ce qu'on a là, on a de quoi faire. On a de quoi faire de ouf. On est trop vieux, ça y est. Ah, c'est dommage, on n'a pas montré Mario. Bah après, si on montre Mario, tous les jeux de notre enfance, Harry Potter et tout, etc. Parce que j'ai fait les Harry Potter aussi. On en a pour 3 heures, hein, je vous dis. Et la vérité... Moi, si je vous parle de mes jeux où je m'occupe des chevaux, de mes chiens... Il y a aussi les Zelda, Aurélie, les Zelda... Ah, c'est Sonic, moi, aussi. Oh, les Sonic, les Zelda, les... La base. J'avais même Garfield. Donc du coup, vous avez vraiment toute la collection. Faudrait voir Shin Budokai, il faudrait qu'on le fasse en live, ça pourrait être vraiment cool au niveau de la story. Il y a plein de choses. Mais là, on va faire un jeu à deux vu qu'on a deux manettes, Aurélie, n'est-ce pas? Depuis tout à l'heure, on n'a pas fait de jeu à deux. Si, on a fait Mario Kart. Ouais, on a fait Mario Kart, mais là j'ai envie de te taper un petit peu. Vas-y, ouais. Je vais voir. Normalement, j'ai Final Bout. Tape-moi, vas-y. C'est moi, je vais te tuer, ouais. Final Bout, normalement, on peut se taper à l'ancienne. Oh, regarde-moi ça. Ça sera... oh, parce que moi je veux pas rester à voir ça. Regarde ça. Regarde ça, Final Bout. C'était celle. L'animation, incroyable. Frieza. Freezer. Vas-y, dis les noms. Bah, c'est ce que je fais. Bou. Oh, gosse. Incroyable, regarde-moi cette animation. Ils ont fait une animation exprès pour Final Bout. Et magnifique. Ah ouais, ouais. Genre, c'est que pour ça. Ouais. Sans Gohan. Incroyable, Gohan ultime. Regarde-moi cette choré. T'as cru que c'était de la capoeira, tu dis, cette choré? Bah oui, c'est en gros, c'est la chorégraphie de combat. C'est magnifique, ils sont trop forts. Vegeta. Ils ont mis Piccolo contre Cell. Piccolo. Magnifique. Goku contre Vegeta. Ça, c'est dans GT. Et du coup, Goku devient petit. Non, Trunks, c'est Pan. Pan, c'est la petite fille de Goku. Non, mais j'ai cru que la petite, c'était... J'ai cru que le petit, c'était Son Goten. Mais tu m'as dit... Non, le petit, c'est Goku. Oh, un petit chien. Magnifique. Regarde-moi ça. Magnifique. Les dessins tellement nostalgiques. Franchement, ils sont bien faits. Magnifique. Vas-y, viens, on va faire la bagarre, Aurélie. Ah la beau gosse. Allez vas-y. Oh par contre c'est archi dur à prendre en main les techniques. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce design. Regarde-moi Final Bout. C'est la base. Attends, laisse-moi. Attends, me touche pas. Me touche pas. Wesh. Oh. C'est toi qui t'es approché. Non mais là on a l'air. Mais de... Aurélie, vas-y. Mais dégage. Oh, arrête. Oh, arrête. Oh lolo. Arrête. Mais pourquoi il avance pas? C'est quoi déjà les techniques? Oh là là, mais moi je comprends rien. C'est quoi déjà les techniques de Final Bout? Mais c'est lent. Mais oui. Il sait pas quand je veux. Tiens. Non. Non. Tiens.
En fait, on appuie de ouf. Et Mais laisse-moi faire un caméra, Aurélie. Non. Vas-y, si tu veux. Vas-y, tu veux. La tête de ma mère. Voilà, t'es fatigué. Maintenant, écoute-moi bien. Nash Webs. Attends, faut vite que je m'éloigne. Elle m'a gagné, les gars. Train début. Et vas-y, dis-moi, t'as fait comment comme ça, je le fais. T'as fait comment? Je sais plus. Moteur. Tu veux m'éclater. Dis-moi comment t'as fait comme ça. Je fais arc de cercle. Et triangle, arc de cercle, triangle. Yes, Y. Mais tu m'as pas laissé le temps. Tu m'as pas laissé le temps. Il a pas une autre technique? Bah je pense que moi cette technique ça marche pas hein. T'es fatigué. Attends, viens voir, on va essayer. On va essayer celle de Goku. Attends. Non, c'est comme ça. Mais en fait, c'est comme ça. Ah oh yeah. Ouais. Non. Mais non. Non. Oh, oh tu m'as enlevé toute la barre. Bah tiens, Masenko, tiens. Hein. Final Bout, dans mes souvenirs, c'était largement mieux. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de jeux autour de Dragon Ball Z. Il y a plein de catégories autour de d'autres jeux également sur Naruto. Il y a aussi les Street Fighter, les Donkey Kong, qui est un très bon souvenir dans ma tête. Les Donkey Kong, vraiment trop classe. Les Crash Bandicoot, qui étaient vraiment incroyables. Et vraiment, il y a des jeux Captain Tsubasa, il y a des jeux Bleach. Enfin voilà, franchement, il y a grave un gros catalogue, un très gros catalogue. Et c'est vraiment une pure folie, les frérots, vraiment une pure folie. Du coup, pour conclure, vraiment validé à mort. Ouais, franchement, ouais. Il y a plein de jeux, plein de catégories. Mais vraiment, façon ergonomique, vas-y, dis-moi. J'ai hâte de retrouver mes jeux à moi qui ne t'intéressent absolument pas. Je les regarde, je ferai toute seule. Je regarderai ultérieurement. Après, effectivement, dans cette vidéo, on a montré 4 de nos jeux. Mais après, c'est des jeux que tu as joué toi aussi, genre Mario Kart. Ah oui, voilà. Oui. Mais par exemple, Total Spies. J'ai envie de trouver mes jeux. Total Spies, là, j'ai obligé, je vais y rejouer puisque je pars ouais. De fête. Ouais. Et mon fameux jeu que je parle depuis toute la vidéo là. Bon, en tout cas, il y a plein de choses à faire. Dites dans l'espace commentaire si vous êtes intéressé pour un live par semaine pour spécial rétro gaming. C'était ce que je voulais faire déjà depuis un an. J'avais pas forcément l'occasion d'idées ou autres à mettre en place. Là, on a plein de choix entre les anciens Zelda, les anciens Pokémon, les anciens Rayman. Les anciens Rayman, les anciens Pokémon, Crash Bandicoot, les anciens Zelda, les Harry Potter. Enfin bref, voilà, il y a vraiment une très grosse gamme de jeux disponibles dans cette console, les frérots rétro gaming. Dites dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Et puis du coup, avec mon code promo YKS10, vous avez accès du coup à 10% sur l'ensemble de votre achat. Et vous pouvez même commander du coup une deuxième manette que nous du coup on a pris deux manettes pour pouvoir jouer à deux, les frérots. Et en plus ça, c'est des manettes sans fil qui sont vraiment agréables au toucher. Ouais, c'est vraiment cool. Dans l'espace description et sur les commentaires épinglés, vous avez les liens pour pouvoir acheter la console si vous souhaitez acheter la console. Et également, si vous voulez gagner pour les périodes de fête, ils mettent en place un jeu concours. Franchement, archi stylé. Essaye de participer, Aurélie. Essaye de participer. Comme ça, on en a deux. C'est sérieux? Oh, comme ça, on en a deux direct. Oh, il y a un jeu concours, les frérots, sur Facebook et sur Instagram. Si vous voulez gagner, si vous voulez avoir plus de chances de gagner, du coup, participez sur les deux concours. Comme ça, forcément. Tu participes sur Facebook, t'as la chance de gagner. Tu participes sur Insta, t'as une chance de gagner. Tu participes sur le 2, t'as bonne chance. Ce qui est logique, les amis. Donc là, je vais vous mettre aussi les liens pour avoir accès à ce jeu concours. Donc allez-y pour tenter de remporter cette console rétro gaming totalement magnifique, la Time Machine. Dernière chose, il reste plus beaucoup de consoles. Donc si vous voulez vous la procurer, c'est maintenant. Donc voilà. Donc les amis, en tout cas, merci mille fois à Aurélie pour nous avoir accompagné dans cette vidéo où nous a montré Total Spies. Elle avait certainement d'autres jeux à nous présenter, mais malheureusement la vidéo elle aurait duré trop longtemps. Mais je pense qu'on pourrait faire, je te dis n'importe quoi, une fois par mois aussi les vidéos de notre enfance, genre le titre. Je suis pas sûr que ça voilà. Plaise à ta communauté mes jeux. Bah après je sais pas, tu juges, bon on sait jamais, peut-être qu'ils ont déjà joué à Total Spies. Ah, on n'a pas montré ton jeu dragon là. Mais c'est depuis tout à l'heure j'en parle. Oh, faudrait non, le montrer en live. Faudrait d'abord que je m'entraîne parce que franchement j'ai aucun souvenir. Ouais. Bon, en tout cas la team, des gros bisous à vous tous, j'espère que vous avez surkiffé. Passez tous, bonne soirée et merci encore Aurélie. Et joyeux Noël.